Salut à tous et à tous, c'est Rossas18. On se retrouve pour le premier épisode de Crash Bandicoot NC Trilogy. Donc enfin le retour de Crash depuis un moment qu'on l'attendait. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Du coup c'est Crash, enfin c'est une trilogie de 3 jeux. Donc Crash Bandicoot 1, 2, 3. Qui était sorti à l'époque sur PS1, qui est remasterisé, on a été sur PS4. On a commencé en meilleur graphiste avec quelques petits ajouts. Chargement. Voici on voit les trois Crash Bandicoot. Ils ont du 1, ils ont du 2, ils ont du 3. Voici Crash Bandicoot 2 Cortex. Voici Crash Bandicoot. What? Donc voilà, fin de nouvelle partie. Détruire la saga automatiquement. Donc je sais pas ce que j'ai fait. On n'avait pas vraiment commencé. On avait juste essayé tout à l'heure. Docteur Cortex, nous n'avons pas trouvé la cause des précédents échecs. Imbécile! Ce Bandicoot sera mon général. Et il guidera mes commandos Cortex pour dominer le monde. Cette fois, je vais régner en maître. Nous sommes plus près du but que jamais. Vite, dans le vortex. Docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous ne savons pas ce qui peut se produire. Encore un échec. Capturez-le. Préparez la femelle, Bandicoot. Du coup, ils ont rajouté des petites scènes, enfin voilà. Et sur la vieille version de la meuf. Et tenu par les deux. Yes, Crash. Du coup, nous retrouvons Crash au bord d'une plage. Donc, avec un rond pour faire une tornade. Avec croix, on saute. Triangle, on voit. Monoya, il y a un nombre recommandé pour les caisses. Alors, ce qui n'était pas le cas sur la première version. La version. Casser les caisses et puis si vous avez un certain nombre, vous pouvez toutes les caisses sur le chemin, mais les diamants. Par contre, le problème c'est que si vous cassez les caisses et que vous tombez dans un train, comment dire, bah vous faisiez baiser, le diamant vous l'avez pas. Le contrôle à montre qui était rajouté en crash de 3. Du coup là nous avons, c'est un masque qui nous a rejoint pour les crinkers, qui s'appelle Aquacon. En fait, vous allez récupérer un masque, ben vous allez avoir une chance, du coup si vous faites tous ces balles. Si vous récupérez deux, vous aurez deux chances, plus trois, voilà. Dans les fouilles, vous pouvez tout péter. Coup de bouillard.
Mais je crois que si on tombe dedans, ou alors qu'avec une masse, avec le masque changé, ça compte pas. Voilà. Ouais, c'est terminé. Mais il y a deux chemins. On va voir ça. Ah, s'il vous plaît. Alors, je sais pas si nous l'ont mis exprès au premier niveau. Il me semble que ça n'a pas été corrigé ça. Ah, quel gros dégueulasse. Il avait mis le diamant dans son estomac. Mais t'es un gros porc, Crash. Oh, j'aime bien sa barbe. On dirait de la menthe. Ben, qu'est-ce quoi? T'as un problème ou quoi? J'ai dit que ta barbe était très belle en forme de feuille. Et voilà. Là en haut, vous avez le diamant. Et vous avez des reliques. Mais ça, je vous l'ai fait montrer tout de suite. Je sais pas s'il y a des pouvoirs à débloquer. Ou quand on a fini le jeu, c'est qu'il y a 5 niveaux en plus qui se débloquent. Voilà. Pour avoir ses pouvoirs. Voilà, la première marque. Je crois que vous pouvez en avoir 3 des petits doigts. Vous remarquez bien le fameux bouton, c'est une tête de mort. Donc, tout à l'heure j'ai fait des Kingdom Hearts. Du coup je crois que c'était la fin. Enfin, je crois que c'était le niveau. Ah voilà. Tête de la famille Bandicoot. Bandicoot, c'est mon préféré. Voilà. On est là, avant tous les diamants, sur la version vénère. Vous voyez, c'est un diamant vert, enfin, une plateforme verte, pour moi. Il faut récupérer une gemme ou un diamant vert. Mon avis, ça s'appelle des gemmes. Là, les têtes, en fait, ça va nous donner une phase. Oh. Après, tout temps, il y aura des têtes de Angry Rotary à récupérer, des têtes de Neocorte. Trop faux. La première, ça va être assez facile. Et voilà, la Neocorte est venue. Pour récupérer la meuf Bandicoot, bah c'est belle brute. Alors je sais pas si on garde notre vie, parce que je sais qu'il y avait un problème de vie dans la version. C'est que, comment dire, c'est que quand vous sauvegardez et que vous reprenez votre sauvegarde, et bah vous retournez à 4 vies. Par exemple, si vous en avez 20, et bah les 20 vous pouvez vous les foutre au cul, quoi. Votre jeu faudrait le faire en 4 vies.
crash vient va automatiquement tout seul sur le prochain truc. Ouais, je sais, j'adore ta barbe en folle du Mans, ta Kwaku. C'est de la Kwaku, hein. Je me demande si c'est plus que ça représente les éléments. Et là, on a un cortège sur PS2, je trouve que c'est comme ça qu'il s'appelle. Va la voir. Il y avoir pas mal de niveaux si vous êtes codé, vous allez être dire obligé. Il y a des fins, en fait, il n'y a pas la vraie fin en fait. La fin se trouve après des diamants. T'es obligé de les récupérer au bout d'un moment. Qu'on fait bien attention, ça va. Il y a aussi des boss à faire. Non, c'est que je pense que c'est que la phase bonus, on peut pas le faire avec le pas, on peut la faire avec le mec. Mais si quand il n'est pas sur avec le. Ah oui, et je crois que celui-là, on peut facilement l'avoir. Je sais plus.
costume caisse pour pas comprendre. J'ai comme une diamant, dit l'Orosuka. C'est un sésame, mais qu'on ne connaissait pas. Voilà. Ah non, commence pas, Crash. Sérieux. Moi, j'ai pas envie de récupérer un diamant. Plein de baffes de Bandicoot. Perk. Imagine si tu avais vomi. Ah, du vomi de Bandicoot. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est vrai que la barbe de Aquaku, c'est pas trop qu'est-ce que c'est. C'est des feuilles du monde ou des feuilles de cannabis. Moi je dis des feuilles de menthe. Allô. Ils l'ont bien travaillé celui-là. La musique qu'ils ont retravaillé, mais même les textures sur les... Alors que vous êtes dans l'écran, où il y a dans la zone vision ou dans l'écran où il y a la télé, ça se passe comme ça. C'était pas le cas sur la première version. Là il y a du démon. Saute. J'ai rien compris, pourquoi il a pas sauté? Ok. Non mais c'était dessus quand même. Yeah.
mal. Les phases bonus avec la femme Bandicoot. Allez, elles sont assez simples. Alors, logique, comment on peut tenir sur une feuille comme ça? Parce qu'il faut encore des diamants. On a que 3. Là pour 3 caisses là. Là sérieux, ça se demandait si vraiment il y avait besoin de récupérer des diamants pour avoir accès à un passage secret. Papou. On va battre un genre de Maui avec un bâton. Papou papou. Je crois que le train est pas très long. Ouais, bonus. Il est simple. Allez, dernier coup. Allez, il est pas compliqué. Allez, sur ces PS3. Je sais pas si les trophées sont assez simples à voir. Il y en a 26 diamants. Voilà. Là, on peut sauvegarder. Alors nouveauté aussi dans ce premier crash. On peut jouer Coco. On va juste essayer Coco comme ça. Évidemment qu'il n'y a pas nos interdits, on peut pas le faire. Désolé écoute, tu vas devoir te taper une femelle Bandicoot. Hein quoi? Une femelle Bandicoot? Oui, une femelle Bandicoot. Pour savoir, vous notez gentil avec Coco. On a pris un nouveau frein. Voilà, comme je l'avais dit, je vais faire tirer la famille Bandicoot. Par contre, protéger les cheveux. Merde. J'ai produit les cheveux parce que si elle se brûle les cheveux, elle touche le feu. Moi j'ai bien fait de recommencer. Ouais, comme vous disiez, c'est pas un muscle, c'est un brio. Par contre, de ce côté-là, ils n'ont pas fait d'effort. Ok. Oh,
de votre nouveau épisode. Ah non, mais là j'étais bien parti. Bon, je crois avoir compris. Ça veut marcher.
Mais mets pas ton ordi sur ta tête, tu vas le casser. Mais qu'est-ce qu'elle est conne, hein, Coco. Après, viens pas pleurer parce que Crash, faut qu'il aille t'en trouver un autre au plein milieu de la jungle. Et parce que dans Crash, on écoute deux au début, et elle demande une batterie secours. Enfin, une batterie. Et ils sont dans la jungle. Alors, vous voulez que je trouve une batterie d'ordinateur dans une putain de jungle. Je l'y barbe, enfin, une menthe. Ah, je crois que c'est le niveau avec les sangliers. Bon, du coup, c'est parfait, je vous ferai un petit contre-la-montre pour vous faire voir. Oh, Billy, viens là. Il y a des sangliers. Non mais là je vais esquiver quoi, faut pas abuser. Non mais... Là je suis déjà qui sont truqués. Et puis ils étaient tombés. Ah, ça va, j'ai pas trop galéré. Enfin, un peu. Avec les magnifiques dents. Coquet de fraîcheur. Je vais vous faire montrer. Tiens, juste pour le fun. Contre la montre. Je sais pas si on peut courir carré. Thank you.
Alors. Ouais, continue ta danse. Mon premier relique. Je pense que c'est du niveau, ce sera même pas la peine de le faire. C'est de le pouvoir de courir. C'est magnifique en or. Un des derniers niveaux de cette carte. Thank you.
non, mais... Crash, là, tu fais exprès. Non, mais... Elle s'est abusée. Même si c'est une équipe, vraiment, il y aurait mieux que toi. Non mais... Vous sentez pas bien, vous retombez sur la putain de plafond. Non mais là c'était bien. Voilà. Ouais. Non mais là j'avais sauté.
derrière on voit le château de Neocortes. Donc c'est un 4 sur 5. Ici c'est qu'il y a un masque à voir. Là, je juste fous de ma gueule. Crash ! Là tu fais vraiment exprès. Non mais... Que j'ai coco, ça te dérange ? Thank you.
terminé. Bon, ok, crash. Putain, mais crash! Crash. Est-ce que ça c'est des plateformes? Oui. Gros jeu, je mets l'air déjà dessus. Ouais. D'une heure. Putain. Non. Ça va quand même. Là, ça me fait plus rire. Alors tu vas réussir à monter en haut de ce machin. Putain.
Tom. Je vais m'arrêter là, je vais continuer tout seul. De toute façon, je crois qu'ici, il n'y a pas de diamant à voir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un message d'aime. A plus. Ok. Surtout pas, crash.
guépard prêt.